Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nouveau weekly vlog. Je sais pas si ce vlog vous intéressera, on va voir. En tout cas, je suis trop content de vous retrouver. Ça fait déjà quelques 2 semaines peut-être que je vous ai pas posté, je crois. J'ai fait une petite pause sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Donc vous me connaissez, vous savez très bien que je fonctionne un peu au feeling et un peu à mon humeur. Suite à la perte entre guillemets de Clochette, à ce jour nous n'avons toujours pas de nouvelles de Clochette. Elle n'est jamais revenue. On reste optimiste, mais c'est juste pour se donner bonne conscience parce qu'on pense potentiellement que de toute façon le pire a pu arriver de toute façon. Donc je ne vais pas vous mentir, ça nous a quand même vachement infecté, hein, quand même. Donc bref, en tout cas on revient, en tout cas je reviens dans un nouveau mood où j'ai décidé de prendre soin de moi parce que depuis quelques temps mon corps est en saturation avec l'accumulation de travail, avec l'accumulation de plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne vous a pas encore dit, il y a plein de choses qu'on vous a pas encore montré de nos projets, etc. Et que du coup bah c'est épuisant, c'est très épuisant. Voilà, je suis en pleine réflexion sur plein de choses en ce moment, donc bref, en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont changer chez nous puisqu'on a décidé de refaire tout le salon. On garde uniquement qu'un meuble et 4 chaises. Pour vous dire, on redémarre tout. J'avais envie de changement. Voilà, le côté un peu pause m'a fait dire que j'en avais ras le cul, en fait, tout simplement de voir la même chose dans mon salon et que du coup j'avais l'envie de changer. Vous savez très bien que j'aime le changement, que je n'aime pas la routine et que ça me... On n'a qu'une vie et qu'il faut profiter, voilà. Donc du coup, je vais aller faire les magasins cet après-midi et demain parce qu'il me faut de la peinture. Je vais vous montrer un petit peu les petits changements déjà dans le salon en bas. Mais il y a plein de choses qui vont dégager, qui vont bouger. En attendant, on a mis des meubles provisoires. C'est au moins pour avoir quelque chose d'un peu de correct en attendant. Également, je vais aller acheter des rideaux. Enfin bref, il faut que je termine la chambre, il me reste 2-3 petites conneries à mettre dans la chambre. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Et en plus, depuis 2 semaines, j'ai reçu pas mal de produits, pas mal de choses de certaines marques qui sont hyper sympas. Donc je vous montre ça. Ah, j'arrive plus à parler. Je vous montre ça dans ce vlog, c'est parti, let's go. Bon les amis, je viens d'arriver à Derly. C'est ma pépinière du pas très loin de chez moi. En vrai, j'y vais pour rien, mais j'ai quand même envie d'aller voir pour acheter un ou deux petits trucs pour mettre dans mon massif parce que là, on va pouvoir mettre les cailloux. Donc, je vais faire un petit tour. Il fait beau aujourd'hui, donc écoutez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Et mon shopping d'hier, enfin, j'étais faire du shopping hier. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai fait des commandes internet aussi, enfin bref, la maison va changer de dingue. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Bon, allez. Ponçage de la nouvelle table. C'est une table avec des grandes rallonges. Donc le bas, on va le faire clair. Et elle ressemble un peu à l'autre, mais rien à voir. Donc je vais déjà tenter de la poncer. Là. Et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, je vous montre, j'ai acheté ça tout à l'heure chez Derly. Donc du coup, des écorces de pin maritime. J'ai acheté aussi ça pour rempoter mes petites fleurs. J'ai acheté 2 nouvelles graminées comme ceci. En plus, ils étaient vraiment pas chers, 5,50. Je vais en mettre une ici et une... Non, je vais en mettre une là-bas, je pense, et une ici. Et ensuite, on va mettre tous les cailloux. Et chez Lidl, en ce moment, vous avez pareil les sacs de terreau, 20 litres. Pour 1,80€ je crois, donc ça vaut grave le coup. Là je me suis fait un peu couiller clairement parce que je l'ai payé au moins 8€ ça. Il y a 6 litres et là pour 20 litres je les ai payés même pas 2€. Bref, je suis un peu con. Bon les amis, je vous reprends dans cette vidéo. J'ai été faire mon shopping cet après-midi et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai tout monté exprès dans le dressing parce que pour l'instant je vais stocker. Alors je cherchais 2 cadres avec un contour bois comme ceci. Donc je les ai achetés chez Action. Bien évidemment ça ne sera pas pour ces affiches-ci, mais j'ai commandé des affiches et du coup je vais pouvoir les mettre. En fait ces 2 cadres iront au-dessus de notre lit.
Donc voilà, j'ai acheté ces deux lampes de chevet parce que je trouve qu'ils vont... Je les avais vues il y a quelques mois chez la Foire Fouille et je me suis dit, oh pff, non. Et en fait, bah, on est sur un vrai terracotta. Là, on se rend peut-être pas bien compte, mais je les installerai tout à l'heure et je vous montrerai. Mais du coup, ils sont canons. J'ai payé les deux 50 euros. Donc clairement, ça vaut grave le coup. Il me semble qu'ils étaient en solde ou en promo. Et c'est de la gamme Atmosfera. Donc à chaque fois, c'est une valeur sûre. Et j'ai acheté de nouvelles couettes aussi chez Alinea. J'ai pris une 260x240. Ensuite, j'ai été chez Jisque. Ouh là, je suis en train de tout faire, tout péter. J'ai été chez Jisque pour mes toilettes et j'ai acheté pareil trois cadres, dont un qui ira dans le dressing. Vous verrez ce que je vais y faire. Pareil Lidl, j'ai trouvé un petit cache-pot comme ceci. Très beau, 2 euros. Ça peut vous intéresser. J'ai acheté... Bon, la boîte est vide parce que je l'ai vidée tout à l'heure. Je voulais l'essayer. J'ai acheté ça, un défroisseur. Écoutez, il n'a pas l'air mal. Je l'ai acheté chez Auchan. Faites pas attention à mes ongles, ils sont noirs parce que j'ai fait du jardinage. Du coup, là, j'ai des mains dégueulasses. Et donc voilà, je l'ai payé, je crois, 30 euros, si je vous dis pas de bêtises. Et ça fait le job, voilà. Ensuite, j'ai acheté des équerres, mais vous en avez un peu rien à foutre de tout ça. J'ai acheté aussi des choses pour le travail. J'ai acheté également un vase chez Jisque, que je trouve relativement très mignon, voilà. Pareil chez Auchan, en ce moment, vous avez le lot de casseroles aussi à moins 50%. Et là, vous avez 3 casseroles et 3 poêles. Donc, clairement, j'en ai eu pour 39 euros, ce qui n'est absolument à rien. Donc, voilà, c'est de la marque actuelle. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas non plus. Ici, j'ai acheté plein de choses pour le travail, donc ça ne va pas forcément vous concerner. Au champ, j'ai trouvé ça aussi, du chocolat Starbucks. Voilà, j'ai pris du 42%, il y avait du 70%, mais c'est un peu fort. Donc je vais tester, je vous dirai. J'ai acheté pareil, alors ça c'est mon péché mignon, de la soupe miso, c'est de la dinguerie, j'adore ça. Pareil, en promo, à moins 60% des... Comment on appelle ça? Des plats, pas des plats, merde, comment on appelle ça? Des boîtes, voilà, des boîtes alimentaires en verre. C'est hyper lourd, j'en avais 3 et je les ai eues au prix de 13 euros, je crois. Donc voilà, et alors je n'allais plus du tout chez Jiffy, sauf que j'ai vu à la télé, ouais, je crois que c'est à la télé, j'ai vu 2-3 trucs sympas, y compris cette petite tasse, que je trouve très belle pour l'automne, et j'ai trouvé ces rideaux là. Et alors j'en ai pris aussi, j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un aussi pour le travail, parce qu'on va sûrement peut-être faire des petites citrouilles avec. Alors c'est horrible de sacrifier un rideau, mais je voulais vraiment un tissu comme ceci pour faire de la déco et autres. Donc je le trouve relativement trop beau. Donc celui-ci va aller dans la chambre, voilà. Et également, j'ai acheté aussi un plaid comme ça pour le travail. Et j'en ai pris un aussi pour... En fait, j'ai tout pris en double. Et j'ai déjà tout déposé au travail. Et du coup, j'ai pris un plaid. Alors lui, il fait beaucoup plus rouge. Mais j'ai acheté une nouvelle parure de lit aussi. Et du coup, je l'ai pris en blanc. Donc voilà pour Jiffy. Et il reste encore quelques trucs, mais je vous montrerai plus tard. Bon, et bien, je vous reprends dans le vlog. J'ai reçu un colis pour des coques de téléphone. Bien évidemment, j'ai pu choisir les coques que je voulais. Moi, j'ai pris celle-ci pour la spéciale un peu au mois d'automne, l'automne, Halloween. Sachant que je sais pas si vous le savez, mais je me suis fait tatouer, bon, il y a déjà ça un petit moment, un fantôme et une lune. Donc, je trouve que ça correspondait grave à mon univers. J'ai également pris une autre coque noire et beige, trop belle. Et alors, franchement, les coques... je peux vous dire, vous pouvez y aller pour la péter. C'est hyper qualitatif. Ils m'ont également envoyé une protection pour l'écran top. Elle a l'air hyper quali, donc j'ai hâte de l'installer au calme. Et également, j'ai pu choisir une coque pour ma batterie externe. Voilà, tout simplement comme ceci. Elle est trop belle. Je vais enlever le plastique si vous avez envie de voir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ah hop là, regardez, elle est trop belle. En tout cas, si ça vous intéresse, ils m'ont gentiment proposé de vous faire bénéficier d'un code promo de moins 15% sur le site. Donc je vous mets tout de toute façon juste ici et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse directement. Donc voilà les amis,
Bon les amis, je vous reprends dans ce vlog, on est jeudi. Jeudi 5 octobre je crois, je suis à mon 7e jour de travail. Donc je suis tout simplement exténué, fatigué, j'en peux plus. Il me reste encore demain ou demain, je fais 7h15, 15h30. Il me tarde d'être en week-end, mais vous imaginez même pas. Donc du coup demain je serai à mon 8e jour. Voilà. Sur ce, il faut que j'aille acheter ce week-end de la peinture. Non, je suis con, je l'ai déjà acheté. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille acheter? Je sais plus, je sais que je vais acheter quelque chose ce week-end, mais je ne sais plus quoi. Bref, en tout cas, je ne sais pas si ce vlog sera hyper passionnant pour vous, mais c'est hyper compliqué de vous faire des vlogs, de travailler, d'enchaîner les 8 jours, les horaires décalés, tout le travail que j'ai à côté. Je suis en train aussi également de planifier des enquêtes pour ma chaîne Enquête Paranormax. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et il faut que je vous raconte un truc aussi, je vous raconterai ça tout à l'heure. Enfin, je vous raconterai ça demain, quand je vais rentrer du boulot, j'aurai beaucoup plus le temps, je serai en week-end de vous raconter tout ça. Donc, voilà, c'était juste un petit bisou, un petit coucou. Et je vous reprends pour vous, tout de suite, pour moi, demain. À tout à l'heure. Bon, j'ai été à la Forfouille il y a 2 jours et du coup j'ai fait une affaire de dingue. J'ai trouvé des rideaux occultants à que dalle parce que les 4 m'ont coûté 32€, tac tac tac, 55. Donc en plus de la couleur que je voulais pour le salon, comme je vous ai dit, on est en train de refaire tout le salon mais on vous montre rien pour l'instant. On va vraiment vous faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà, les 4 pour 32€. Donc là je vais les emmener chez la grand-mère de Brian, elle va nous faire les ourlets. Et après, il n'y aura plus qu'à. Oui, je vous mens pas, pour l'instant, on n'a pas avancé du tout. Hein. On stocke toute notre nouvelle déco, etc. Bon, les amis, je vous reprends dans ce vlog. On va aller chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Parce que, en fait, j'ai reçu 2 colis pour les petites. En fait, ce sont des déguisements pour Halloween. Donc là, on va aller leur amener leur déguisement d'Halloween. De toute façon, je vous explique tout à l'heure. Je vais leur montrer. Franchement, on les a sortis tout à l'heure. Les déguisements sont assez dingos. Sont assez... très beau d'ailleurs, de bonne qualité. Donc sachant qu'Halloween arrive à grands pas, donc c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi. Bon, les filles, est-ce que vous êtes prêtes à avoir un petit cadeau aujourd'hui? On dit quoi? On dit... oui ou non? Oui. 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 Alors ça c'est pour qui ça? Ça c'est pour Jojo. Oui. Et ça c'est pour... Iris. Iris. Allez, vous ouvrez. On a reçu 2 déguisements d'une marque en partenariat avec Maxime. Donc les filles sont en train d'ouvrir leur robe et on va les essayer. Waouh! C'est quelle couleur? Violet et noir. Et rosa. Tu poses là? Vas-y. Waouh, elle est longue. Elle est longue? Est-ce qu'elle est belle? Oui, un peu. On va les essayer. Et le chapeau! Toi t'as un chapeau et toi Iris c'est quoi? C'est pas un chapeau, c'est quoi? Des ailes. Des ailes. On va essayer tout ça? Oui, wow. 3, 2, 1, tournez! Oui! Wouh! Jojo, fais voir! Tu tournes? Elle a un petit peu peur. Vous êtes magnifique. Est-ce que vous aimez bien vos robes? Fais ça avec ta baguette magique pour tourner avec. Vas-y, envoie un sort. Waouh! Contre-jour, attends, je l'ai fait le mat un peu. Oh, elle est trop belle. Oh, petit chat. Tu fais câlin à tonton. T'as failli venir à la maison, toi. Hein? Ah oui, il y a un mois et demi. T'es trop belle. Ouh. Minou. Minou. Bon, du coup, je vous montre rapidement. J'ai installé les rideaux. Je viens de faire une story Instagram et du coup, j'ai fait de la merde. En fait, j'ai acheté des rideaux... œillets, je crois, je sais pas comment on dit ça. Donc du coup il faut que je les retire, mais là pour l'instant je vais laisser comme ça pour qu'une couturière me coupe tout ça, me fasse un rabat pour le reglisser dans au niveau de la tringle. Donc en tout cas la couleur elle est vraiment belle. C'est le rideau que je vous ai montré un peu plus tôt dans le vlog. J'ai installé les lampes qui vont très bien également. Et alors ça c'est les 2 cadres que j'ai acheté chez Action. Je les ai juste posés là pour voir si l'effet un peu bois allait, et en fait ouais, nickel. Donc du coup je mettrai les affiches et les cadres au dessus, donc à peu près à une hauteur je sais pas si on se rend compte,
peu près à cette hauteur-ci. Bon, on se rend pas bien compte, bref. Mais en tout cas, ça prend forme. Après, il me restera juste à trouver, ça va dégager, un tapis un peu en toile de jute, juste un peu rond à cet emplacement-là. Mais on est pas mal. Bon, les amis, il est exactement... Tu dis pas bonjour ? On te voit jamais dans les vlogs. 19h30. Bah, dis bonjour. Hello. On voit pas, je suis à contre-jour. Non, si, on te voit en vrai. Bonjour. Bon, il est 19h28. On doit être chez Marion Elliott pour l'anniversaire de Marion à 19h30. On est à l'heure. Et ouais, on est à l'heure. J'ai mis la coque. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis cette coque-ci. Ah, les voitures. J'ai mis cette coque. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai mis la protection. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Peut-être si j'allume. Non, on voit rien. Bon, écoutez, je vais conclure ce vlog maintenant. J'ai pas du tout eu le temps de vous montrer tout ce que je devais vous montrer dans ce vlog avec Brian. Je vous ai montré quelques petits trucs, mais j'avais tellement de retard dans plein de choses. Donc, de toute façon, il y aura le vlog dimanche prochain. À ce jour, Clochette n'est toujours pas rentrée à la maison. On ne désespère pas. On garde au fond de nous un petit espoir, même si on sait que c'est compliqué et que voilà. Enfin bref, en tout cas, une fois de plus, merci beaucoup pour tous vos... Oui, univers. Pour tous vos messages sur Instagram, sur Facebook, en Messenger, partout. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde parce que vraiment, j'ai un travail, j'insiste, qui me prend énormément de temps, d'énergie. Psychologiquement parlant, c'est très compliqué. Donc ça, faut vraiment que vous le compreniez. C'est très compliqué pour moi, gérer mon couple, gérer, on a des horaires décalés, on est des... Enfin bref. Écoutez, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et normalement, ça aura bien avancé, les peintures et la maison de ma mère. Il y aura plein de choses qui vont avancer. On croise les doigts, on avance. Je vous embrasse, bisous, vous, chez vous.